Fish. Mimi? C'est ça. Là. Mimi, where is Mimi? Mimi. C'est toi, Mimi? Ah. Qui a dit que c'était toi? Qui c'est qui a dit ça? Maman. Oh, tu es malin, toi. Oh, tu es un malin. Tu es un malin de fils. Tu veux encore? Regarde, c'est dedans. Tiens. Doucement, la gourmandise. Ça va, c'est des chips pour les bébés. Hein. C'est des chips organiques. Il n'y a pas trop de calories dedans. J'espère que vous allez bien. J'ai eu plein de messages de vous, de mes amis, de gens sur internet, de toute ma petite communauté qui me disaient « Mais où es-tu ?» bien des fois de se retrouver, de pas trop prendre son téléphone. Comme je vous dis, moi je fais vraiment les choses comme je les sens en fait au feeling. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vraiment faire ce que j'ai envie et ce que je pense qui est bien pour ma famille et moi. Et voilà, c'est vrai que parfois ça m'arrive... de disparaître un petit peu, parce que j'en ai peut-être besoin, que ça ne veut pas dire que je travaille pas ou que je suis pas en train de faire mille et une choses, mais c'est juste que je me dis aujourd'hui, j'ai envie de prendre un peu de recul, j'ai pas mal de travail, comme je vous dis, par rapport aussi à Nabila Beauty qu'on est en train de rendre international, donc je vous dis pas tout, mais ça va bientôt être distribué dans pas mal de pays à l'international, et forcément il y a plein de règles dans chacun des pays, il y a tous les enregistrements des produits à faire, et je peux vous dire que c'est très compliqué par rapport aux composants, à plein de choses, ça prend énormément de temps, c'est beaucoup d'investissement. Et voilà, moi j'apprends sur le tas avec mes collaborateurs et mes équipes qui me guident, mais c'est moi qui suis la décisionnaire, parce que cette marque elle n'appartient qu'à moi et à moi seule, et en étant la directrice de cette marque, je dois valider chaque chose. Donc, ils ne peuvent pas travailler s'il n'y a pas ma validation derrière. Je dois prendre le temps d'analyser chaque chose. Et c'est pas facile. Et mis à part ça, je me suis pris aussi une petite journée avec mon fils, tranquillement, sans trop partager. Ça ne veut pas dire que je vous oublie, hein, vraiment pas. Je sais que vous avez toujours été là pour moi et je serai toujours là pour vous. C'est pas parce que je snap pas quelques jours. Je ne veux pas dire que je vous oublie, je pense très fort à vous, à chaque fois je viens faire un petit tour, je regarde un peu vos messages et tout ça. Donc mais je pense que pour tout humain ça fait du bien de déconnecter un petit peu. C'est important de ne pas faire les choses pour être là à tout prix, pour montrer que oui on est là, on existe. Enfin moi il y a la vie des réseaux et il y a aussi la vie de Nabila qui est très importante aussi. Donc c'est deux choses complètement différentes et c'est vrai que parfois ça fait du bien de partir un peu pour mieux revenir. Donc là c'était un petit jour, peut-être qu'un jour je partirai un peu plus longtemps, peut-être pas, mais en tout cas je fais les choses au feeling et surtout je suis pas quelqu'un qui me force moi-même, je ne suis pas une forceuse et je fais les choses parce que j'ai envie de les faire tout simplement, et quand je partage des choses avec vous je les fais avec mon petit cœur, voilà, rien de plus. Et mon petit tuto que j'ai fait pour Marie-Claire Arabia qui est sorti aujourd'hui, donc j'ai dû le faire tout en anglais parce que comme ils sont internationaux et qu'il y a beaucoup plus de personnes qui parlent anglais, ils m'ont demandé de le faire si je pouvais le faire en anglais, donc j'ai dit oui. Donc soyez indulgents avec mon anglais, je me débrouille un petit peu pas mal en anglais, ça va. Mais si vous voulez voir ma petite routine make-up, c'est le make-up que j'utilise tous les jours en fait quand je sors, c'est ma petite routine habituelle. N'hésitez pas, je vous mets le lien direct de la vidéo et n'hésitez pas à poster vos petits commentaires que je lirai tout à l'heure. La vidéo a été traduite en arabe, donc c'est plutôt cool, et ils l'ont postée ce matin, donc je vous ai mis le lien. Maintenant je vais m'adresser à messieurs, mais ça peut être aussi pour vos chéris. Vous savez qu'à un certain âge, on commence à voir un petit peu, surtout les hommes, hein, de la calvitie, donc chute de cheveux, ça se dégarnit un petit peu. Là, j'ai reçu un nouveau produit que Thomas utilise, c'est toujours la Chili Beauty, mais cette fois, c'est pour les hommes. Donc c'est les Good Hair, c'est vraiment spécialisé pour la chute des cheveux des hommes, donc tout ce qui est chute, calvitie. Ça permet aussi aux hommes de faire pousser leurs cheveux plus vite, ils sont fortifiés. Vous avez un mélange d'ingrédients à l'intérieur, donc du maca, papa, du zinc, enfin plein de choses, et c'est aussi anti-chute. Donc messieurs ou mesdames, si vos chéris perdent leurs cheveux, c'est juste incroyable. C'est un produit qui est fabriqué en... Ça lutte contre la chute occasionnelle et les débuts de calvitie. Donc si ça commence maintenant, c'est maintenant qu'il faut agir. Ça fait aussi repousser le cheveu beaucoup plus rapidement. Et les cheveux, ils sont plus forts, donc ils sont fortifiés, ils sont mieux accrochés sur la tête. Et ils sont de meilleure qualité. C'est des petits gummies, donc des petits bonbons. Il n'y a pas besoin d'eau, vous en prenez deux par jour. Le minimum, c'est 3 mois, d'accord? Donc pour avoir des super résultats, on fait minimum 3 mois. On peut aller jusqu'à 6 mois renouvelables. Vous prenez
2 petits gummies comme ceci par jour, tout simplement, à n'importe quel moment de la journée. Pour vous remercier tous autant que vous êtes, parce que ben, je me rends compte qu'avec le fil des années qui passent, j'ai vraiment une communauté qui est bienveillante et les gens ils sont hyper bienveillants avec moi. Des fois je lis des commentaires, des choses et tout, bon il y a tout le temps des gens qui sont pas très cool, mais il y a quand même une majorité de personnes qui sont genre hyper cool, hyper bienveillants, qui jugent pas, et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, et c'est pour ça que je suis très reconnaissante de ça, d'avoir vraiment des gens qui, bah, qui soient bienveillants, tout simplement. Ni gentils, ni méchants, mais juste bienveillants envers moi et ma famille. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de, bah, de très important. Et voilà, donc je tenais tous à vous remercier, même ceux qui nous apprécient, ceux qui ne nous apprécient pas. C'est vrai qu'en ce moment, je réfléchis pas mal parce que ben, ça va bientôt faire 10 ans. Tout ça, que bah, toute cette aventure, elle a commencé pour moi, c'était en 2013. Et donc voilà, ça fait bientôt 10 ans. Pas tout à fait, mais quand même, on s'en rapproche. Et c'est vrai que je me dis waouh, je pensais même pas que j'allais rester quelques mois dans tout ce circuit, dans toute cette célébrité, dans tous ces médias, enfin toutes ces choses en fait. Et là, 10 ans après, je me dis waouh, quand même, j'ai fait un sacré bout de chemin. Donc voilà, je suis très fière de moi, de mon mari, de ma famille, de tout le monde en fait. Et c'est vrai que peut-être pas tout de suite, mais dans quelques temps, je vais partir. Temps, je vais partir un petit peu, je sais pas combien de temps, peut-être ce sera quelques semaines, peut-être quelques mois, peut-être que je reviendrai puis je repartirai, mais voilà, je vais faire un genre de petit break, si on peut appeler ça comme ça. Je serai toujours dans les barrages, hein. Je vais pas non plus être radicale et me dire ah j'ai envie de tout couper, puisque c'est le cas, donc je ne mens pas aux gens. J'ai pas envie de couper tout ça parce que ben ça me plaît, c'est le lien que j'ai avec vous. Métier aujourd'hui, et c'est surtout quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc voilà, mais je pense que d'ici quelques temps je vais prendre un petit peu de recul, je pense que j'en ai besoin parce que ça fait 10 ans, je me dis bientôt, et 10 ans c'est pas rien, et voilà, et c'est important aussi de penser à soi, à sa petite famille. C'est pas une question d'être égoïste parce que je ne le suis pas, je suis quelqu'un, les gens qui me côtoient, vous pouvez leur demander, hein. Moi j'ai un cœur, il est énorme, si je devais partager jusqu'à la dernière miette, je la donnerais quitte à ne pas manger. Je suis comme ça, j'ai été élevée comme ça, et c'est, voilà, c'est ce qui fait que je suis moi. Mais je pense que parfois c'est important aussi de penser à soi et prendre vraiment du temps pour soi et pour mieux se retrouver en fait, pour, voilà, pour mieux avancer par la suite. Donc voilà, ça aussi, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informée, je vais partir du jour au lendemain. Mais c'est vrai que j'y pense parfois un petit peu et j'ai tellement enchaîné de choses dans ma vie, que ce soit mes projets, ma vie personnelle, ma vie privée, mon enfant, enfin tout ça s'est tellement enchaîné que je me dis ce serait cool que je prenne un petit peu de recul juste pour regarder genre d'un point de vue extérieur ma vie, je sais pas, comme si je sortais de mon corps et je regardais et je faisais un petit bilan en fait, je pense que j'en ai besoin. Voilà, mais je vais super bien, tout va très bien, c'est juste que moi je pense que c'est important de temps en temps de déconnecter comme on dit. Voilà, donc là c'est parti pour 24 minutes, j'ai pas le temps de le faire ce matin, donc je vais faire les 24 minutes à la suite avant d'aller me coucher. J'ai mis le programme numéro 4, j'ai mis relativement haut, donc là vous pouvez régler l'intensité, moi je le mets presque au max en fait, parce que maintenant je supporte très bien. Et là ça va permettre de raffermir, de faire un peu les abdos, de tonifier. Et pour les personnes qui ont de la graisse, ça la fait complètement disparaître. Donc ça élimine tous les amas graisseux, la graisse et tout ça. Et après, on peut faire sa petite vie. Hein. Vous le recouvrez tranquillement. Et... c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de sport en ce moment. Au moins, je fais ça. Ça m'évite de trop culpabiliser. Et ça maintient un petit peu tout ce qui est muscles et tout ça. Il y a aussi pour les fesses. Donc dans le pack full body, vous avez celui pour les fesses qui remonte les fesses, qui tonifie. C'est un peu l'équivalent des squats. Pour les flemmards et vous avez aussi pour les bras, ceux pour les bras qui permettent de développer les muscles des bras. C'est pour les filles comme pour les garçons, hein. Nous on en a un chacun avec Thomas. Vous faites 24 minutes par jour, vous les sentez même pas, après ça va devenir un automatisme pour vous. Vous allez voir au bout de allez,
15 jours, vous allez déjà avoir des résultats, moins de graisse au niveau du ventre, la peau qui est plus ferme, plus tonique, et surtout, bah, moi, pour mon cas, il y a les petits abdos qui sortent un peu. C'est bien pour les endroits où il y a le confinement, forcément les salles elles sont pas ouvertes, donc je vous dis pas que ça remplace le sport, hein. Si vous pouvez faire le sport plus ça c'est top, mais si vous n'avez pas l'opportunité de faire du sport, bah, au moins vous pouvez faire ça. Moi des fois je les mets tous en même temps, genre je mets celui pour les fesses, celui pour les abdos et les bras, je suis un peu comme ça, mais franchement au bout de la 2-3ème séance on ne sent pratiquement plus, en fait ça devient une habitude et surtout les résultats ils sont très rapides. Voilà, donc là encore quelques minutes tranquille. Vous voyez, je le cale un petit peu dans mon pyjama à chaque fois.